Salut ma belle gang. Écoutez, 25e journée hier. Hier, je me pensais la 24e journée. En tout cas, j'ai été confuse avec mes dates et mes temps. Je me suis pensé tout le week-end, un dimanche, alors qu'on était samedi. Et donc, j'ai skippé un jour. Fait que je marque 25e journée parce que c'est plus cohérent, mais je suis dans ma 26e journée. Je suis tellement contente, tellement fière d'être rendue là. C'est un grand défi. Je vous l'avoue que c'est un grand, grand défi. Ça comporte plein de twists intéressants, plein de pièges qu'on peut rencontrer. Mais en tout cas, au-delà de tout ça, je suis vraiment contente et satisfaite de tout l'accomplissement que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et pour tous ceux qui se font leur défi en même temps que moi, votre défi, ben, je vous encourage à continuer parce que ça développe vraiment de la volonté, ça développe vraiment la détermination, le courage, particulièrement de pouvoir poursuivre puis de pouvoir se choisir entre autres parmi toutes les tentations qu'il y a autour de soi. Alors, je reviens toujours à dire que qu'est-ce que c'est 42 jours dans toute une vie quand on peut choisir quelque chose qui est sain, qui est abordable, qui est facile à faire. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment aborder le thème de l'alimentation parce que j'ai fait une crise de popote en fin de semaine. Vraiment, ça a commencé la semaine dernière. J'en ai fait à tous les jours, particulièrement vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce que je fais avec la nourriture? Ben, j'ai invité des gens, j'ai invité du monde, j'ai donné de la nourriture à mes enfants, j'ai meublé leur frigo et j'ai meublé mon congélateur pour mon après-crise, ou mon après, pas après-crise, mon après-défi. Donc, en tout cas, ça me permet de travailler dans la nourriture puis de vivre au travers des odeurs puis de fabuler, puis je suis devenue extrêmement créative aussi. Mais en fait, l'alimentation, je voudrais vous en parler parce que quand on a une maladie, n'importe laquelle, peu importe qu'est-ce qu'on a, ou on a des problèmes de santé, que ce soit des allergies, des intolérances, l'alimentation devient très complexe d'une certaine manière. En 20 mois, j'ai exploré pas mal d'alimentation. Je ne suis pas une pro de l'alimentation, donc je n'ai pas de formation en alimentation, je n'ai pas de formation comme nutritionniste ou dans tout ce truc-là. Je suis une personne qui est autodidacte, je lis beaucoup. Est-ce que ça a de la valeur? Ça dépend comment est-ce qu'on place la valeur et quel auteur on lit. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de qu'est-ce qui est bon de la santé, qu'est-ce qui n'est pas bon de la santé, mais plutôt je vais vous parler de mon expérience au travers de l'alimentation puis ce que j'ai eu à défier dans l'alimentation. Fait que la première chose quand on a un diagnostic de cancer, bon, oui, on freak, puis là, on va dire, on regarde l'alimentation parce que c'est la première chose qui est vue en tout premier lieu. Alors, j'ai essayé plein d'affaires. J'ai essayé la méthode alcaline, le cétogène, j'ai essayé, bien évidemment, le végétarisme, couper les produits laitiers, enlever le sucre. Vous savez, on lit beaucoup et on lit énormément, puis hein, finalement, pour se rendre compte que tout se contredit. Alors, on va voir ensemble un peu qu'est-ce qui est unanime dans tous les types d'alimentation confondues, puis après ça, un peu où est-ce qu'ils sont les confusions, je vais vous en parler un petit peu plus. Alors, le premier vraiment à bannir de l'alimentation, ce sont tous les sucres raffinés. Donc, tous les sucres transformés, c'est la première règle, c'est de sortir ça. Tout le monde s'entend là-dessus. C'est très, très mauvais pour la santé dans tous les sens. Et quand je dis bannir, ça ne vous empêche pas, une fois de temps en temps, d'en avoir. Ce n'est pas banni à vie, vous n'avez plus le droit. Mais mettons, prenez une règle du 80-20. 80% du temps, je l'évite, puis je peux me laisser un petit 20% quand je suis invité, j'ai quelque chose de spécial. Les produits transformés, même affaire, ça ne devrait même pas être dans nos garde-manger. Quand on lit les étiquettes, il y en a plein de cochonneries là-dedans. Même dans le bio, il faut faire attention. Dans les produits transformés bio, ça reste un produit transformé, ça reste un produit qui est fait de manière mécanisée, puis en chaîne alimentaire. Encore là, c'est mieux manger ça que les autres produits, on s'entend. Puis ça, encore une fois, c'est toujours la règle du 80-20 qui se tient.
Le junk food, ben, c'est tout le temps bien bon. Pourquoi? Parce que c'est gras, sucré, salé. C'est les trois trucs que les papilles gustatives viennent folles. C'est-à-dire que si c'est sucré, salé, on adore ça. Si c'est sucré, gras, on adore ça. Puis si c'est sucré, c'est salé, gras, c'est fantastique. Fait que quand vous avez ces combinaisons-là, c'est sûr qu'il y a une espèce d'accoutumance intéressante qui vient avec ça. Est-ce que actuellement j'ai des pensées de junk food? Vraiment pas. Je m'en suis rendu compte ce matin parce que je regardais encore des livres de recettes et ce qui m'allume vraiment, c'est de la bonne nourriture. Je ne pense pas aller manger dans un junk food, ça ne me vient pas à l'idée du tout. L'autre affaire, bien évidemment, les pesticides, les engrais, bien s'en tenir le plus possible aux aliments bio, même si on s'entend que les aliments bio ne sont pas si bio que ça, mais sont quand même mieux que ceux qui sont produits à grande chaîne. Là, je vois que j'ai marqué mon coup de cœur, bien, j'en ai pas de coup de cœur. En fait, je peux passer à la slide suivante qui est ce qui m'a fait du bien. En fait, ah, c'est ça. Il faut savoir lire les étiquettes avant d'acheter parce que on peut être berné par, mettons, sans gluten, mais il y a des trucs, c'est pas d'allure, ils marquent sans gluten, puis c'est sûr qu'il n'y a jamais eu de gluten dans ces produits-là. Comme du miel, ça n'a pas de gluten, hein? Donc, faites de lire les étiquettes pour savoir quel genre de produits puis dans quel ordre ils viennent. Comme par exemple, dernièrement, je magasinais du pesto et le premier ingrédient devrait être du basilic dans le pesto parce que c'est ce que ça contient quand on prend un basilic de pesto. Mais souvent, c'est l'huile qui va venir en premier puis c'est l'huile de canola. Fait faut privilégier l'huile d'olive, après ça, ben, le basilic, puis les bons ingrédients. Moi, j'évite le sulfite, c'est un préservatif grandement utilisé, mais ça cause souvent des maux de tête. Alors, dans mon troisième affiche, ce qui est bon dans les sucres, c'est vraiment le miel et le sirop d'érable, les dattes, et puis tous les fruits sont bons. Là, je vais faire un bémol parce qu'il y a dans certains régimes, on va bannir les fruits, on va bannir vraiment tous les sucres. Ça appartient à un régime particulier qu'on va voir tout à l'heure. Mais le miel non pasteurisé, c'est un miel qui est vendu chez les apiculteurs. Il y en a sur les tablettes, c'est marqué que c'est non pasteurisé. Pourquoi? Parce que le miel ne se digère pas de la même manière que les autres sucres. Ça demeure un sucre, mais il est absorbé par le corps. Et en plus de ça, c'est un antibactérien, ça forme le système immunitaire, ça a des propriétés antiseptiques, c'est vraiment puissant comme aliment à prendre. Donc, c'est un aliment de choix à ajouter. Donc, vous pouvez faire des vinaigrettes à base de miel ou même à base de sirop d'érable, parce que le sirop d'érable, lui aussi, se digère pas de la même manière que les autres sucres. Donc, ce sont des sucres positifs qu'on peut mettre dans notre alimentation. Et les dattes aussi, ils ont des propriétés hallucinantes. Là, je ne vais pas rentrer dans les propriétés, mais les dattes, si on en mangeait 3 à 4 par jour, on vient augmenter notre qualité de corps et notre qualité au total. Puis tous les fruits sont bons, effectivement, il ne faut pas les mettre de côté parce qu'ils ont leurs nutriments, ils ont leur apport nutritif, que je trouve que ce serait méchant de les mettre de côté. Ce qui n'est pas bon avec les fruits, c'est d'en faire des jus. Si vous faites un jus de fruits, vous enlevez la pulpe, vous enlevez tout ce que le fruit a besoin pour faire assimiler justement son sucre. Si vous faites un jus de fruits, là, vous intégrez uniquement du sucre et c'est dans cette intégration de sucre-là qui va être néfaste. Donc, un jus de fruits, ça devrait plutôt être banni d'une certaine manière, mais de plutôt d'aller vers des fruits entiers coupés en morceaux, c'est beaucoup plus positif, beaucoup plus nutritif et vraiment beaucoup plus agréable. Ensuite, ben, quel est votre type? Ça, c'est compliqué. Parce que quand on a, même dans votre temps normal, même en temps normal, lorsqu'on n'est pas malade, on a tous un groupe sanguin. On a tous une catégorie Vata, Pitta ou Kapha. Ça, c'est dans la culture indienne. Donc, ça va vous donner votre type d'alimentation. Ensuite, on doit regarder si vous êtes un système nerveux, bileux, lymphatique ou sanguin, parce que ça, avec, ça va influer sur quel genre de nourriture vous pouvez manger. Ensuite, ben, si vous avez une maladie importante ou des allergies ou des intolérances, ça va aussi modifier votre alimentation. Alors, je peux vous assurer qu'il n'y a pas si longtemps, je me suis retrouvée debout dans ma cuisine et ne sachant plus du tout qu'est-ce que je pouvais manger. Parce que si j'ajoute à ça
que je vais faire un régime alcalin. Donc, je vais faire un régime végétarien, mais en même temps, je veux qu'il soit alcalin. En même temps, je veux qu'il corresponde à pas de sucre, puis à machin et machin. C'est devenu très compliqué de manger. En fait, tout ce que je pouvais manger, c'était de l'huile d'olive, puis il y a les combinaisons alimentaires aussi. Si j'ajoutais les combinaisons alimentaires, il restait plus grand-chose dans mon assiette à manger. Pardon. Tout ça pour dire que l'alimentation, il y a de la confusion. Il y a vraiment de la confusion. Donc, je vous ai mis tous les types, pas tous les types, mais quelques types de régimes qui existent. J'ai fait le cétogène, ça s'est avéré très négatif pour moi. J'ai su que j'ai pas le bon groupe sanguin pour le faire. Donc, il a fallu, j'étais en train de m'empoisonner avec le gras que mon corps ne digérait pas du tout. Le meilleur régime qui est sorti dans toutes les recherches que j'ai faites, c'est le méditerranéen. Et celui-là, il est vraiment avantageux. Pourquoi? Parce qu'il contient tous les types de légumes. C'est très équilibré et c'est pas excessif et aussi très bon pour la santé. La problématique qu'il y a eu avec la confusion, c'est que on peut manger, comment dire ça donc? Si on veut manger alcalin, il y a des combinaisons alimentaires qu'il faut prendre, mais quand on suit les combinaisons alimentaires, c'est pas les mêmes combinaisons alimentaires. Fait qu'on va vous dire, dans les combinaisons alimentaires, on ne doit jamais mélanger les fruits avec les légumes. Donc, si je me fais une salade avec des mandarines dedans ou des tomates, par exemple, les tomates ne vont pas à la bonne place. Les tomates se mangent uniquement avec la viande, dans les bonnes combinaisons alimentaires. Je peux manger toutes les feuilles avec les légumes, puis je peux manger tout ce qui est feuilles avec les fruits, mais je ne peux pas mélanger les fruits et les légumes ensemble. Ensuite, ben, on peut manger des légumes avec toute la viande. Je ne peux pas manger des fruits avec de la viande. Donc, si je mets du raisin, mettons, dans mon agneau machin et marocain, ben, je vais avoir des problématiques. Okay? Bref, tout ça pour dire que j'en suis venue à une conclusion avec la nourriture. C'est... J'ai beaucoup observé qu'il y a des gens qui mangent très, très, très bien depuis très longtemps. Ils sont super malades. J'ai vu des gens qui mangent très, très, très mal, qui sont en super bonne santé. Et il y a des gens comme moi qui mangeaient bien, puis je suis tombée malade. Fait que l'alimentation n'est pas tant reliée avec qu'est-ce que vous mangez. Il y a une certaine base, oui, mais c'est beaucoup plus relié avec qu'est-ce qui se passe ici, puis comment vous mangez. Par exemple, les intolérances, la plupart des gens n'arrivent pas au monde intolérant avec des allergies. Ça arrive, il y a quelques enfants qui arrivent au monde allergique, mais les allergies se développent au cours du temps. Pourquoi? Puis pourquoi on en a plus aujourd'hui? Bien, on pourrait accuser effectivement les manufactures de mettre trop de produits chimiques, la transformation des aliments, les OGM et tout ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est où est-ce que vous mangez puis de quelle manière vous mangez. Est-ce que vous mangez en train de faire du réseau social puis regarder votre Facebook? Ou êtes-vous en train de manger en train de regarder des nouvelles? Ou en train de manger avec un ami ou des amis qui ne parlent que de choses qui sont absolument négatives? Parce que tout ceci, par exemple, vous regardez les nouvelles, et là, il y a une nouvelle qui vous affecte beaucoup, qui vous donne un choc émotionnel, et vous êtes en train de manger, on va dire, du riz, par exemple. Et là, vous allez reprendre le riz, vous allez manger le riz une autre fois, puis là, vous allez dire, ah, il me semble qu'il n'est pas si bon que ça d'habitude. Puis là, vous allez en reprendre un autre, puis tout à coup, ah, je ne gère pas bien le riz. En fait, ce qui se rejoue, c'est la mémoire émotionnelle associée à la nourriture. Donc, cette mémoire émotionnelle-là est engrangée dans votre corps, puis chaque fois que vous allez manger, vous avez ce rappel-là inconscient de dire « Ah oui, il y a eu une très mauvaise nouvelle qui m'a fait vraiment du mal, m'a fait vraiment du tort. » Donner un petit exemple concret, je recevais en consultation une femme qui était allergique aux carottes et aux céleri. Assez étrange, on entend souvent les noix, mais les carottes et les céleri, en parlant avec elle, elle me dit, quand elle était jeune, elle est revenue de l'école, puis elle avait mal au ventre, vraiment un gros, gros mal de ventre épouvantable. Et là, sa mère lui dit, mange des carottes puis du céleri, ça va te passer. Fait que l'adolescente prend les carottes et le céleri, s'en va dans sa chambre, commence à manger ça, mais elle a encore plus mal au ventre, pour terminer à l'hôpital, et elle faisait une crise d'appendicite.
Son corps a enregistré et a fait le lien entre les carottes et le céleri pour la crise d'appendicite qui n'était pas en cause. Les aliments n'étaient pas en cause, mais elle, dans son subconscient, il y a eu une association de la douleur, de la problématique qui était associée à l'aliment. Donc, elle, toute sa vie, elle a commencé à dire « je ne gère pas ça », puis finalement, elle en a développé une allergie. Souvent, les gens deviennent allergiques. Ça peut être un voyage qu'on fait, on mange un aliment, puis on a quelque chose qui est associé. De toute façon, je ne vais pas trop détailler là-dedans. Mais en gros, c'est pour vous dire que l'alimentation, on peut manger tout ce qu'on veut. On peut vraiment manger tout ce qu'on veut dans la vie. Et la maladie appartient beaucoup à un facteur psychologique, à un facteur qu'on développe émotionnellement dans notre corps. Évidemment, ça va prendre des années et des années à se développer. Puis, on ne peut pas savoir avec certitude quelle émotion qui est associée avec la maladie. Parce que si c'était si facile, on guérirait tout le monde actuellement dans un hôpital. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec mon propos. Rendu au point ce que j'en suis, je m'en fous complètement parce que c'est mon approche. C'est ma compréhension, c'est ma vision des choses. Personne n'est obligé de partager cette vision-là. Mais par exemple, pour avoir lu énormément, comme je n'ai parlé à la capsule dernièrement, la dernière capsule, la clé de la guérison se trouve vraiment dans le changement profond et intérieur et nulle part ailleurs. Donc la nourriture, c'est la même chose. Bien manger est un plaisir. Manger avec des bons amis, avoir du fun, avoir du plaisir à cuisiner des aliments, prendre le temps de s'asseoir puis de déguster. Vous savez, le fait que je ne mange pas actuellement, je redécouvre l'aspect de la nourriture et je redécouvre l'importance de manger, mais aussi de manger avec les yeux, de manger avec le nez, de manger avec envie et goût. La COVID, elle a tué ça dans les deux dernières années. La proximité des gens, de manger avec du monde, d'échanger, d'avoir du plaisir, d'où l'importance de choisir les gens avec qui on mange, d'où l'importance de choisir avec qui je veux partager mon repas et non pas de manger un repas à la volée quand ça ne va pas bien. Je me rappelle quand j'étais jeune, plus jeune dans ma vie avec mes enfants, il y a des fois, j'avais remarqué quand j'étais pas de bonne humeur et que je cuisinais, c'était toujours le bordel à la table. Fait que j'avais pris une décision que si je filais pas et j'allais pas bien, je ne faisais pas à manger parce que je transférais une espèce de vibration que tout le monde ressentait et qui était désagréable. Aujourd'hui, mes enfants sont des enfants qui aiment cuisiner puis qui font de la super cuisine puis qui mangent dans beaucoup de bonne humeur puis beaucoup d'appétit et je trouve ça magnifique. Donc, en deux mots, l'alimentation, c'est rassembleur. L'alimentation, il faut prendre avec beaucoup de plaisir. Il faut avoir du plaisir pour manger. Et je pense que lorsqu'on mange dans le plaisir et non pas dans la peur puis dans la restriction, on va faire beaucoup, beaucoup plus pour notre corps puis qui va être beaucoup plus positif. Alors, sur cette note de gaieté et d'amour, juste pour vous dire que moi, j'aime faire à manger, j'aime la nourriture et je me suis fait la promesse qu'après que tout mon chapitre va être terminé, que je vais me redonner pleinement à manger sainement, à manger avec goût et appétit. Alors, je vous aime, prenez soin de vous, mangez avec des amis fantastiques, extraordinaires, ayez du plaisir et surtout, quand vous mangez, n'ayez pas de conversations lourdes, des conversations difficiles, politiques, etc., etc. Mangez avec plaisir. Alors, là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye.